Salut tout le monde, c'est Florent et Adri, pilote et copilote pour le 4L Trophy. Bienvenue sur cette chaîne et dans ce premier vlog pour le 4L Trophy. Je suis vidéaste et moi DJ. Et l'objectif, c'est de partir dans le désert, faire un setup live. On va partir mixer du coup dans le désert avec un set house du feu de Dieu. Donc du coup, moi je suis allé chercher la 4L hier. Donc ce que vous avez vu, c'était un petit reel sur notre Instagram. Donc vite, on suit, on s'abonne sur l'Instagram de la 4L Disco Mobile. Bon, c'est bon, vous vous êtes abonné, installez-vous, prenez vos popcorns. Le plan de la journée, on va dans un lieu magnifique pour la tester, voir ce qui tient et ce qui tient pas. Et ce soir, rendez-vous chez LV2V. Allez, let's go. On a trouvé une station service. Enfin mec, ça c'est le bordel un peu en France là. Putain c'est la merde. Bonjour, bonjour. C'est le copain. C'est le copain. C'est le copain. Allez c'est reparti. Let's go. Been at it already, had my tarot read. Things are looking up for me, that's what my tarot said. Been pumping out pheromones and wearing red. Young Jerry Lawler, king but they're not aware of it. $40 to show money, that's what they stole from me. Blow it all. Me blow it all bowling, guess I roll funny. Go find me a snow bunny, ask if this. Au fait, les gars, on vous a pas présenté la 4L. Allez, venez avec nous. Tu la trouves la future 4L Disco Mobile? Elle te plaît? Parce que nous, elle nous plaît à mort. Et là, on a toute l'après-midi pour aller la tester dans des chemins au Salagou. Un lieu de fou, mec, c'est magnifique. Et après, direction le garage LV2V. Let's go! Let's go! On voit le petit piège, la racine là. Est-ce que ça va toucher? Allez! Concentré. Bon les gars, faut aussi entraîner le copilote hein, parce que bon, hein, on va pas tout faire quand même. Ah c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah, ça passe sans problème. La remontée du copilote, alors qu'est-ce que ça donne? Ah il est chaud, il est chaud. Ah, elle est bien cette bagnole. Elle est bien cette bagnole hein. Un peu en mode bourrin quoi, tu vois. Let's go man. Incroyable, incroyable. Thank you.
Et ben on a quand même. Bon allez, tu montes là. Oh, tu te dépêches. C'est bon, j'arrive, j'arrive. Oh, allez go. Allez, on y va. Oh putain de merde. Oh mon dieu. Les gars, ça y est, on a passé une bête de journée. Incroyable. Maintenant, on va direction LV2V. Ils vont vraiment nous améliorer tout ça. Un gros sponsor que pour l'instant on n'a pas tous les sponsors encore. Mais LV2V a été le premier à nous suivre. Ils vont nous faire pièce et main d'œuvre sur la voiture pour qu'elle soit prête à partir dans le désert. Vous allez voir les sponsors. On vous garde la petite surprise. On vous garde la surprise, on vous tient au courant évidemment. Let's go! D'être hyper vieille, alors c'est pas que je sois hyper jeune, mais... Comment ça va? Super, eh ben, en forme. Ça y est, on a récupéré Titi, là. Comment je vais avoir une famille d'aventure d'ici 2 mois? D'ici 2 ou 3 mois? Ouais. Début juin. Faut voir. Si on trouve, si on trouve pas, ouais. Moi, il faut le découper entre les deux. Ouais, dans l'idée d'être presque le corps au milieu. De par l'aide. Si on garde cette structure, c'est d'avoir l'aide. Okay. Et dessus, c'est une table. C'est la table de mixage. Là, dans tous les cas, tu aurais ta barrelette, tu aurais ta table de mixage. Moi, comment tu vois la table de mixage et tout? C'est compliqué encore à dire, c'est compliqué. On réserve un peu de surprise, hein. On va voir ce qu'on peut faire. Et le plancher qui est vraiment bon état, c'est vraiment bon. Faut continuer. Moi, pour moi, il faudrait renforcer. Il faut par ce dessous vraiment qui épouse le là qui descend. Elle est bien. Ah, victoire. Elle est bien. On n'a pas acheté de la merde, c'est déjà pas mal. Bon, on a testé et effectivement c'est pas mal. Et parce que dans tout cas il y en a 2 pour route sur terre. Boue et neige. Ah ben voilà. Les grips sont vraiment sympas quoi. Non mais il faut trouver voilà des pneus qui ont du crampon quoi. Le top serait trouvé renforcé sur les flancs des pneus type camionnette, c'est-à-dire qui ont un flanc un peu plus costaud. C'était de la merde. C'était de la merde. Et ce qui est de la merde, on en veut pas. À la poubelle. Hop, on change. Là, urgent, faire tout ce qui va fiabiliser la voiture. Les 2 ventilos, mais un gros radiateur. Avec des pressions. D'accord, on va commencer à me conserver le truc. Une courroie et deux filtres. Les 2 courroies, pompe à eau, parce que bon, si t'as pas celle-là, t'as pas de pompe à eau, t'as pas d'alternateur. Si t'as pas celle-là, t'as pas d'alternateur. Mais si t'as pas d'alternateur, tu démarres pas. Donc les 2 courroies sont très importantes. Et après, les filtres à air, en plus, on en prend 2. Ouais, ça c'est pour tourner. Tu as un soufflant, tu as un de passe au pied ou enfin, en demi-journée, tu arrêtes, tu changes un filtre à air. Tu remets l'autre comme ça, t'as tout le temps filtré à air propre. Okay. Plus il est bouché, plus tu vas consommer. Plus il est propre, mieux c'est quoi. C'est ça. Ouais, ça se trouve, elle est dégueulasse. Oui, ça se trouve, c'est aussi ça qui fait que tu trouves qu'elle consomme. Tout neuf. Tout neuf. Bon, titre d'information. Oh putain. Ouais, bon. C'est pareil. Voilà.
Il y a quelques trucs à faire avant de partir. Tu vas gagner 17 litres au 100 avec ça. Juste en ayant changé un filtre à air. Il est noir de chez noir. Bon, grosso merdo. Des petites conneries de ce genre, voilà, changer le filtre à air, changer les bougies, faire une vidange. On va monter d'un cran les amortisseurs pour avoir un peu plus de garde au sol et passer facilement tous les obstacles. On va mettre des pneus neufs évidemment, on va peut-être pas mettre des pneus terre, après ça dépendra du budget. Ils sont plus chers, mais les pneus neufs, j'avais dit que ça suffisait. Bien sûr, bien voilà, sûr, bien plutôt sûr. Que des pneus off-road, mais on verra si on a un peu plus de budget, pourquoi pas. Et... sponsor les gars. Ah ouais, appel au futur sponsor, si on veut des pneus terre les gars, vite, venez. Et on veut des jantes alu. Pareil. Et des bières. Donc on aura les amortisseurs arrière aussi à changer parce qu'ils fuient, peut-être les amortisseurs avant, mais ils ont pas l'air de fuir, donc si ça fuit pas, on laisse. Les jantes, on va juste les reprendre normalement. Si on a un peu plus de budget, pourquoi pas mettre des jantes un peu plus stylées. Avoir pour mettre peut-être aussi un deuxième ventilateur, un plus gros ventilateur sur le radiateur principal, parce que si on fait du franchissement, et bien évidemment il n'y a pas beaucoup d'air qui arrive sur le radiateur, donc le moteur peut vite surchauffer. Donc soit mettre un radiateur plus gros si on a la place, soit juste rajouter des ventilateurs quand le moteur est trop chaud, qui s'activeront, mais bien plus puissant que celui qu'il y a déjà dedans. Et voilà, donc déjà fiabilisé, mécanique, que tout soit bon. Après il y aura la peinture et pas mal d'autres petites surprises qui viendront. Nettoyage ? C'est parti les gars, nettoyage de la 4L. Let's go. Let's go. Nickel. Eh hey les gars, comme convenu, j'ai réussi à envoyer le copilote chercher des bières. Ça régale. Ok les gars, donc là on est au nettoyage. Ah, il est chaud Ludo. Nettoyage, hein ? Nettoyage. Ça méritait quand même quelques petites bières. Il le mérite. La colorie que tu veux utiliser, c'est la colorie existante. Tu étais français, tu étais coupé. Ah, toujours pareil, c'est les mêmes qui bossent. Ah, c'est les mêmes qui bossent. C'est le copilote qui fait tout. Allez, Guillaume, santé. Bon les gars, on a vraiment passé une bête de journée. Elle a été super longue, on a commencé à 8h. Là il est presque 19h. Fatigué, mais c'est que le début. Que du bonheur. On se retrouve à nouveau lundi chez LV2V. Les 100, vraiment LV2V, merci pour tout. Pour envoyer de la frappe. Parce que franchement on arrive et de suite on se met à bosser. Les pièces vont être commandées dès ce soir. Donc c'est vraiment de la frappe. Voilà. Allez, bisous, c'est la fin de la journée.